Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai été bloqué dans la mer Baltique en 1997 par les glaces. J'étais à bord d'un cargo russe qui était parti de Saint-Pétersbourg et qui allait au Havre. Nous avons été bloqués environ une semaine. Nous étions donc à bord de ce cargo qui transportait à ce moment-là de l'uranium 235. Avant tout, je veux dire que les bateaux de la compagnie et leur équipage sont équipés spécialement pour passer à travers les glaces. Et pour nous, c'est vraiment pas un problème. L'organisation du travail, c'est cela qui compte. Nous étions en 1997. La mer Baltique, à ce moment-là, était complètement gelée. C'est beaucoup moins le cas actuellement. Vous allez voir que tout l'équipage est plutôt en faveur de l'ex-URSS. C'est très simple, voyez-vous. Il y a quelques années de cela, nous n'avions qu'une seule flotte unie. La flotte de la grande URSS, une et indivisible. Personnellement, je ne suis pas réjoui par la chute de l'URSS. Autrefois, la vie était plus intéressante, plus calme, plus libre. Aujourd'hui, la mafia n'a peur de personne, car tout peut être réglé et arrangé avec de l'argent. Aujourd'hui, celui qui a plus d'argent a raison. Oui, moi aussi j'ai le sentiment que le peuple est de plus en plus pauvre et que ce sont les structures mafieuses qui sont au pouvoir. Autrefois, nous étions plus unis. Il est vrai que la discipline était plus dure. Mais quoi qu'il en soit, cette solidarité était bien réelle. Désormais, les gens sont plus libres, c'est indiscutable. Le revers de la médaille, c'est l'individualisme. Les marins soviétiques étaient des privilégiés car fréquemment en contact avec l'Occident et les pays frères. Ils se devaient d'être des hommes politiquement sûrs. Ils étaient encadrés par le représentant du parti et par un commissaire politique qui réglait la vie de l'équipage, leur faisait parvenir des nouvelles de la mère patrie et connaître les dernières décisions du parti. Certains de ces premiers assistants du capitaine voulaient même que les marins se lèvent et se couchent au sifflet. Parmi eux, il y avait beaucoup de despotes. C'était un poste très convoité à l'époque. Mon rôle en tant que représentant du parti était de veiller à ce que règne l'ordre à bord. À l'époque, on pouvait faire régner l'ordre. Les communistes, lors de ces réunions, rendaient compte de leur activité. Par exemple, s'ils étudiaient, ils devaient nous raconter ce qu'ils apprenaient. Avant de commencer son discours, le communiste se levait et disait « Voilà, camarade communiste, j'ai commis une erreur d'appréciation. » Ou bien il disait « J'ai eu tort de me comporter ainsi. » Ребята, коммунисты, я чем-то там в своем поведении был неправ, там вот допустил какую-то ошибку там и все прочее.
Alors, donc, partie de Saint-Pétersbourg, nous étions trois, une traductrice, une réalisatrice qui était une de mes amies, et moi-même. Une équipe de trois. L'indépendance des républiques de l'ex-Union soviétique prive Moscou de la majeure partie de sa façade maritime et de sa flotte. Sur les 1500 navires appartenant à l'Union soviétique en 1991, la Russie n'en a récupéré que 735. Et elle ne dispose plus que de 19 ports sur les 37 que comptait l'ancienne URSS. Le démantèlement de l'URSS est complètement aberrant. Les Baltes, par exemple, ont fait sécession très rapidement. Pourquoi pas? Mais il aurait fallu le faire de manière rationnelle. Ces petits États ont ainsi hérité d'une partie de notre marine marchande. De même, l'URSS avait construit un très grand port à Tallinn en Estonie. Cela représente un investissement énorme, financé non pas par l'Estonie, mais par l'ensemble de l'URSS. Or, ce port appartient désormais à la seule Estonie. Je considère qu'il s'agit d'une injustice flagrante. Une télévision, et sur cette télévision, des images de la Tchétchénie. La Tchétchénie au moment de Helsinki, c'est la déroute russe. À ce moment-là, il y a Boris Helsinki qui est au pouvoir. Il ne fait rien, il laisse la Russie se faire dépecer par le monde entier. En plus, Boris Helsinki est la risée des Russes et des Occidentaux, les Occidentaux qui le montrent comme un alcoolique invétéré, ce qu'il est d'ailleurs. Il faut d'abord changer de gouvernement, c'est mon opinion personnelle, et changer de président. Pour les présidentielles, je ferai confiance à Yavlinsky. Pour l'instant, je ne vois pas de candidat. Ну, нормально. Вот я бы вот Явлинскому бы доверил, например, президент страны. Personnellement, je votais pour les communistes. Je pense que les communistes actuels sont très différents de ceux qui gouvernaient avant. Si l'on ne tient pas compte des communistes du courant stalinien, peu nombreux, qui ont vécu à cette époque-là. Et qui rêvent d'un retour à cet état des choses, qui en rêvent jour et nuit. Портретом Сталина и спят, и живут, и ничего другого не видят, и мечтают, когда те времена сохранятся. Je pense que les choses vont de plus en plus mal, car les gens n'ont pas été formés pour vivre dans le nouveau système, dans des conditions complètement différentes. On leur a dit, voilà, faites-en ce que vous voulez, mais la majorité des gens ne sait pas quoi en faire. Je viens d'entendre à la radio que l'un des bateaux qui attendent ici vient d'envoyer un message d'urgence. En effet, ils n'ont presque plus d'eau ni nourriture. Et bientôt, ils seront sans carburant. Conformément aux règles internationales, on se doit de lui apporter de l'aide. Bon, eh bien écoutez, j'espère que vous avez aimé ce récit. À très bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas le pouce et abonnez-vous. Allez, au revoir.